15 mai 1940, les chars de la 10e Panzer et les soldats d'élite du régiment Grossdeutschland se dirigent vers un petit village des Ardennes françaises, Stone. Le général Heinz Guderian est à la manœuvre. Depuis 5 jours, ses troupes caracolent sur le territoire français sans avoir réellement rencontré de résistance. On se demande même parfois s'il y avait une réelle volonté de tout faire pour arrêter les Allemands. Les Français doivent réagir, et vite. La 3e division d'infanterie motorisée et la 3e division cuirassée sont mobilisées en toute hâte et lancées quasiment à l'aventure, en direction de Stone, où elles parviennent en même temps que leurs ennemis. Désormais, il faudra faire face, tenir le terrain sans soutien aérien, sans possibilité de se ravitailler correctement, en essence notamment. Leur chef, le général Hützinger, patron de la 2e armée française, est à 70 km du front, réfugié dans un bunker à Verdun. Les soldats français ne pourront compter que sur eux-mêmes et leur formidable char B1 bis, considéré à cette époque comme l'un des meilleurs du monde. On a des chars qui ont plus de 150 impacts sur le blindage et qui continuent à combattre en juin 40. Après 10 jours d'intenses affrontements, les Allemands doivent se rendre à l'évidence. Ils ne prendront jamais Stone par les armes. Les combats ont été si intenses et la résistance française si âpre que le village a changé plusieurs fois de main. Historien et journaliste, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé à Stone au mois de mai 1940. Comment les Français sont-ils parvenus à tenir tête aux redoutables divisions de Panzer du général Guderian? Comment expliquer les manquements du haut commandement français? J'ai recueilli des témoignages. Les ordres sont donnés de tout en haut et ne sont pas adaptés à ce qui se passe sur le terrain. La logistique n'est pas assurée, le transport d'infanterie n'est pas prévu. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la dureté des combats. J'ai arpenté des rues désertes, à l'endroit même où, en l'espace de quelques minutes seulement, une colonne entière de Panzer a été mise hors de combat. C'était il y a plus de 75 ans. Le nom de ce village est devenu un symbole, celui du courage et du sacrifice de soldats français qui ont poursuivi la lutte, s'accrochant aux maisons de Stone avec une bravoure qui vaudra à cette bataille largement oubliée le surnom de Verdun de 1940. Le 14 mai 1940, la 3e division d'infanterie motorisée est en marche. Elle vient d'apprendre que des colonnes de Panzer allemands se dirigent droit vers un petit village des Ardennes, perché à 300 mètres d'altitude, Stone. L'enjeu est immense. Si la place tombe, toute possibilité de contre-attaque française sur le flanc sud de l'armée allemande s'envolera. Mai 1940. 7 mois après avoir envahi la Pologne, Hitler lance une vaste offensive contre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Son objectif, transpercer le front défensif allié en passant en force à travers le massif des Ardennes, puis appliquer la tactique du coup de faux pour prendre au piège les troupes françaises et britanniques, imprudemment lancées en Belgique, en les refoulant vers la mer, et ainsi ouvrir la route vers Paris. C'est le plan jaune. Mais les attaques contre la Belgique et les Pays-Bas ne sont qu'une diversion destinée à attirer les meilleures unités alliées sur un front mineur. Conformément au plan imaginé et mis en place par le général von Manstein, c'est bel et bien dans les Ardennes que tout va se jouer. Ce massif, véritable barrière naturelle couverte d'épaisses forêts,
n'est pas protégé par les fortifications de la ligne Maginot. L'état-major français le croit infranchissable. Il a tort. La percée des Ardennes est confiée au groupe blindé du général von Kleist. Parmi les unités dont il dispose figure le puissant 19e corps d'armée de Guderian, comprenant trois divisions de Panzer et le régiment d'élite Grossdeutschland. Pour permettre à toutes ces unités de franchir l'obstacle des Ardennes, les Allemands vont appliquer une stratégie éprouvée. Comme en Pologne quelques mois plus tôt, puis en Norvège et au Danemark au mois d'avril 1940, leur tactique repose sur la coordination offensive des chars, de l'aviation et de l'infanterie. C'est le fameux Blitzkrieg, ou guerre éclair, théorisé par Guderian lui-même. Tandis qu'au sol, les blindés transpercent rapidement les lignes adverses, créant ainsi une brèche dans laquelle s'engouffrent les unités d'infanterie, dans les airs, les appareils de la Luftwaffe empêchent l'ennemi de se réapprovisionner, de redéployer ses forces efficacement et d'envoyer des renforts. Les forces allemandes peuvent ainsi encercler les troupes ennemies et les contraindre à se rendre. Pour qu'elle soit couronnée de succès, cette tactique nécessite trois ingrédients essentiels: l'effet de surprise, la rapidité et la brutalité de l'assaut. Dès les 10 et 11 mai 1940, 1500 chasseurs et bombardiers allemands attaquent loin à l'intérieur des terres, en Belgique et en France. Des dizaines d'aérodromes et plusieurs axes ferroviaires sont neutralisés. Parmi les appareils engagés figure le célèbre bombardier en piqué Junkers Su-87 Stuka. Armé de trois mitrailleuses d'un calibre de 7,92 mm, larguant avec une grande précision jusqu'à 500 kg de bombes, le Junkers Su-87 est surtout connu pour les sirènes mécaniques fixées sur le train d'atterrissage non rétractable de l'appareil et produisant un son strident lors des attaques en piqué. Au sol, les Panzers se ruent à l'attaque. Au début de cette campagne, les Allemands disposent de moins de blindés que les Français, environ 2500 contre près de 3700. S'ils sont moins nombreux, les chars allemands sont aussi moins puissants. Les chars lourds français, comme le B1 bis, surclassent nettement les meilleurs Panzers allemands. Laurent Vermeaux-Desroches est le président de France 40 Véhicules, une association de restauration du patrimoine militaire français. Laurent, quelles sont les caractéristiques techniques de ce char B1 bis ? Alors, le char B1 bis est donc le meilleur char de l'armée française en 1940. Donc, c'est un char qui pèse 31 tonnes, qui est doté d'un canon de 75 mm en casemate, c'est-à-dire qui fait partie de la superstructure du char, et du canon de 47 mm en tourelle. On a aussi deux mitrailleuses de 7,5 mm Rebel en coaxial, donc qui permettent d'avoir un tir de mitrailleuse 47-75 avec 5180 cartouches à l'intérieur. Le 75 est pointé avec le char, c'est-à-dire qu'on déplace la caisse du char, alors que le 47 en tourelle, on le fait tourner en tourelle. Il y a quatre hommes d'équipage, un chef de char, un pilote, un pourvoyeur et un tireur. Et en termes de blindage ? Alors en termes de blindage, c'était un des chars les mieux blindés à l'époque, puisque sur la face avant, le blindage est de 60 mm. Donc ce char n'avait pas d'égal au début de la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas de la fin, on parle bien du début de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un bon char ? À l'époque, c'est un très très bon char, c'est le meilleur char de l'armée française et c'est un des meilleurs chars du monde à l'époque, puisqu'il est quasi invulnérable à tous les blindés qui étaient susceptibles de se retrouver en face de lui. Souvent décrié, plus par par l'utilisation, par la doctrine d'emploi, que par le matériel même. Est-ce que les Allemands d'ailleurs ont été surpris par la qualité de ce char français ? Les Allemands, tout à fait, ont été vraiment surpris lors de différentes batailles sur lesquelles il a été engagé, puisque ce char a résisté à de nombreux impacts des PAC 37 qui étaient en face, des 37 mm en face. Et on a des chars qui ont plus de 150 impacts sur le blindage et qui continuent à combattre en juin 40. Ouais. Donc les Français avaient l'un des meilleurs chars du monde, si ce n'est le meilleur char du monde avec ce B1 bis. Tout à fait. À l'époque, en 1940, c'était le meilleur char du monde. Mais les unités blindées françaises souffrent de graves défauts. Manque de radio,
équipage réduit, protection anti-aérienne insuffisante. Le ravitaillement en carburant est lui aussi problématique. Contrairement aux Allemands, les équipages français sont souvent contraints de faire des dizaines de kilomètres pour se réapprovisionner. Tout au long de la bataille de France, de nombreux blindés seront abandonnés faute de carburant. La dispersion des chars français, auxquels l'état-major attribue un rôle strict de soutien d'infanterie, ne permet pas de contre-attaquer. Au contraire, les panzers allemands, concentrés en quelques points, sont capables de désorganiser rapidement les défenses alliées. Après avoir traversé le Luxembourg sans rencontrer de résistance, les forces allemandes franchissent les Ardennes belges selon trois axes. Au nord du dispositif, le 39e corps blindé et la 6e Panzer font route vers l'ouest. Au sud, le 19e corps d'armée du général Guderian s'approche de la frontière française. En pointe, la 1ère Panzer Division arrive devant Bouillon le 11 mai au soir. Lorsque les Allemands arrivent au bord de la rivière Semois, tous les ponts ont été détruits. Les unités de reconnaissance découvrent cependant plusieurs gués que les sapeurs aménagent aussitôt pour permettre le passage des chars. Guderian assiste en personne au franchissement de la rivière par ses unités blindées. Les troupes allemandes reprennent leur marche en avant. Prochain obstacle de taille, la Meuse. Dans la région de Sedan, le fleuve fait près de 60 mètres de large. Tous les ponts ont été détruits, mais ici, impossible de franchir à gué. Jean-Yves Marie est historien. Il a consacré de nombreux ouvrages à la campagne de France. Jean-Yves, où sommes-nous ici exactement ? Alors ici, nous sommes sur les bords de la Meuse, en face de l'usine de Gaulier, l'usine de l'Espérance qui était une draperie sudanaise et qui a été le point de passage pour les Allemands de la 1ère Panzer. Ici, ils ont franchi la Meuse et se sont trouvés dans la prairie qui est en face, qui est en fait la prairie de Glaire. C'est là qu'ils ont lancé leur assaut. Ils se sont répandus dans la prairie assez vite. Il y avait juste un seul blocus qui la défendait, l'a été neutralisé très facilement. Ça signifie que les défenses françaises étaient très faibles. Il y avait juste deux petits centres de résistance qui étaient faiblement défendus, qui ont été vite balayés, d'autant plus que les défenseurs avaient été sérieusement sonnés par les bombardements aériens. Il faut quand même franchir la Meuse. Comment les Allemands ont-ils réussi à franchir cette rivière qui est quand même très très large ? Alors les Allemands étaient rompus au franchissement des rivières. Ils se sont beaucoup entraînés pendant la drôle de guerre. Ils étaient équipés d'un matériel spécifique. Chaque division disposait de Brücke-Compagnie qui comportait un certain nombre de Schlauchboot, c'était un bateau en caoutchouc qui permettait aux premières troupes d'assaut de franchir la rivière et de conquérir une tête de pont. Et directement, on amenait des barges sur lesquelles on jetait et des pontons qui permettaient ensuite d'alimenter la bataille directement avec des véhicules. Donc c'est ici notamment que la 1ère Panzer a construit son pont de bateau qui non seulement a permis à la 1ère Panzer de passer ses véhicules, mais en attendant que la 2e Panzer puisse disposer d'un pont à Donchéry, elle a également fait passer quelques véhicules par le pont de Gaulier qui a été effectivement un peu endommagé par un tel trafic. Mais vers 17h30, la ligne de résistance française était déjà complètement enfoncée à hauteur de Bellevue. En fait, la ligne de résistance avait été fixée derrière Sedan, où il y a finalement très peu de blocs, si bien qu'au printemps 40, on a commencé à construire une ligne de gros blocs, ce qu'on appelle des casemates FCR, à double chambre de tir. Malheureusement, ces gros blocs, il faut un certain temps pour les construire. Et lorsque l'attaque allemande s'est déclenchée, ils étaient non terminés, sans cuirassement pour la plupart. Donc il y avait des brèches dans le dispositif qui a été rapidement submergé suite au bombardement allemand qui a anesthésié totalement toute la défense.
À 13h, le 14 mai 1940, ce ne sont pas moins de 600 blindés qui atteignent la rive ouest de la Meuse. Le flot semble inarrêtable. Tous les bombardiers alliés disponibles sont alors réquisitionnés. Les raids franco-britanniques se succèdent tout au long de la journée. Mais les chars allemands ne se sont pas déplacés seuls. 303 pièces de DCA ont été acheminées dans le secteur. Elles vont faire un carnage. En une heure, la Royal Air Force perd 40 des 71 appareils engagés. Le 14 mai au soir,